Alors, bonjour à tous les Gémeaux, donc voici votre tirage sentimental pour le mois de juin. Bien entendu, ça parle aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Gémeaux. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler tout le monde, donc vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, n'essayez pas de faire du forcing pour que ça vous parle, c'est que ces messages sont pour d'autres personnes. Alors ici on vous parle d'attirance, on parle des aimants, on vous dit que vous êtes attiré par une personne comme un aimant. Vous êtes oui comme attiré comme un aimant par cette personne, c'est plus fort que vous. On parle d'attirance et que par rapport à cette attirance, on vous dit oui, oui, alors oui, parce que vous êtes attiré, oui, on vous encourage éventuellement à aller de l'avant avec le oui. C'est comme si on vous encourage à dire à aller de l'avant. Et oui, à donner des nouvelles aussi. Donc, soit vous allez recevoir des nouvelles, soit vous allez donner des nouvelles avec vis-à-vis de cette personne. Il y a des nouvelles, il y a des échanges. Là, on parle d'échanges par téléphone ou par SMS, enfin par écrit. Et que par rapport à ces nouvelles vis-à-vis de cette femme, on parle d'une femme là. Mais par rapport à cette femme, on parle de crise. Alors, il y a peut-être une crise actuellement. Il est possible qu'il y ait une crise entre vous, malgré l'attirance. L'attirance qu'il y a entre vous, eh bien, on parle de crise. Donc, une crise qui, soit c'est quelque chose qui est passager, soit c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, on parle de crise. Là, on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes vis-à-vis donc d'une personne avec qui vous avez des liens. Vous recevez des signes, ça peut être des chiffres, des heures jumelles. Pas des heures miroirs, parce que les heures miroirs, c'est l'opposé. Hein. Exemple, le 13 va être le miroir de 31. Donc ça, c'est des heures miroirs. Mais les heures jumelles, c'est 11-11, c'est 22-22. Ça, c'est des heures jumelles, par contre. Donc, on vous dit que vous recevez des signes, ça peut être donc des heures, ça peut être des messages que vous voyez dans une pub, dans n'importe quoi, sur internet, une vidéo, un titre qui vous attire, n'importe quoi, enfin bon. Et vous recevez des signes, mais on vous dit que c'est pas votre âme sœur. C'est pas votre âme sœur, donc si c'est pas votre... On vous dit que par rapport aux signes que vous recevez, c'est pas votre âme sœur. Et que par rapport à cette personne qui n'est pas votre âme sœur, on vous parle de jalousie. Il y a de la jalousie, soit il se peut qu'il y ait des personnes autour de vous qui soient dans la jalousie, ou alors il est possible que ce soit même vous qui soyez dans la jalousie, par rapport à votre âme sœur ou âme jumelle. Alors ça peut être ou une âme sœur ou une âme jumelle, et que par rapport à votre âme sœur ou âme jumelle, avec qui il y a de la jalousie, on vous dit qu'il y a des blocages matériels et financiers. On parle de blocage matériel. Blocage matériel et financier. Soit c'est votre âme sœur qui a des blocages matériels et financiers, ou qui risque d'avoir des blocages matériels et financiers. Ce que je ne souhaite pas. Enfin bon, de toute façon, il y a des blocages. Et c'est dû à de la jalousie. Là, on parle de renard. On vous dit que autour de vous, il y a des personnes qui sont rusées. Des personnes autour de vous qui sont dans la ruse. Ou alors, vous méfiez de certaines personnes. Et pourtant, on parle de souhait. On vous dit que vous allez
vous avez des souhaits que vous souhaitez réaliser. Le puits représente les souhaits. Excusez-moi. Ça représente aussi les émotions. Donc, il se peut que vous, que par rapport aux personnes de votre entourage, vous ressentiez beaucoup d'émotions. Que ces émotions sont en rapport avec le fait de vous stabiliser. Vous avez peut-être envie de vous stabiliser, que votre souhait est peut-être justement de vous ancrer, de vous stabiliser. Stabiliser avec une personne pure, une personne qui est dans la pureté, qui est honnête, qui est sincère. Et que vis-à-vis de cette personne, on parle d'élévation. Alors élévation, ça peut être élévation dans votre vie, c'est-à-dire changer, vous élever, vous rendre. Ou alors cette personne peut être une personne élevée spirituellement. Ou encore, vis-à-vis de cette personne, vous souhaitez vous. Ou alors ça peut représenter quelqu'un qui a de l'ambition. Ça peut aussi représenter donc l'ambition. Là, on parle d'amour. On parle d'amour, que vous ressentez beaucoup d'amour pour quelqu'un. Mais par rapport à cet amour, il y a du chagrin. Vous ressentez du chagrin. En rapport avec cet amour, il y a du chagrin. Et on parle de sacrifice. Vous vous sacrifiez. Vous éprouvez beaucoup d'amour pour quelqu'un, mais vous êtes dans le chagrin. Vous êtes dans le chagrin et dans le sacrifice. Et que par rapport, vous vous sacrifiez dans une relation apparemment. Et par rapport à ce sacrifice, on dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'une femme. Là, on vous parle de le saint. Le saint, c'est votre âme. C'est votre âme qui est le saint en vous. Et par rapport à votre âme qui est en vous, qui est votre âme, qui est éveillée en vous, qui est dans la lumière, on parle de créativité. Il est possible que vous ayez envie de créer quelque chose avec, en rapport avec votre âme. Donc il est possible que vous ayez envie de créer certaines choses en rapport avec votre âme, donc peut-être des projets dans, au niveau de la santé ou au niveau de la spiritualité. On parle de créativité, on vous dit que vous êtes dans l'attente. Vis-à-vis d'une créativité, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, mais il ne faut pas, on vous demande de ne pas rester dans l'attente. On vous demande de ne pas rester dans l'attente. Et dans votre vie autour de vous, dans, avec les personnes autour de vous, on vous demande d'avoir des actions, tout comme on met des épices dans la nourriture, on vous demande de mettre de la, des choses comme de la gentillesse, de la compréhension, de l'écoute, des petites attentions envers les autres, d'avoir des attentions envers les autres. Et qu'en faisant ce travail, en mettant de l'attention, en étant attentionné envers les personnes autour de vous, on vous parle de synchronicité. Il y a des synchronicités qui vous, justement, qui essayent de vous faire réaliser, de vous faire comprendre ces choses. Là, on vous dit que vous êtes attiré comme un aimant par rapport à une personne. Donc, vous êtes attiré, mais, et on vous dit que vous recevez des signes. Vous êtes attiré vers quelqu'un comme un aimant, que vous recevez des signes, mais par rapport à ces signes, vous vous méfiez. Vous vous méfiez par rapport à de l'amour. Et pourtant, cet amour, c'est un amour qui est saint, qui est pur. C'est un amour saint et pur. Et vous ressentez une forte attirance. Ici, on vous dit qu'on vous parle de oui. Oui, c'est comme si on vous dit oui, tu peux aller de l'avant, oui, va de l'avant. On vous encourage avec le oui. Mais on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Ou alors, oui, on vous confirme, oui, ce n'est pas ton âme sœur, quoi. On vous dit, c'est pas ton âme sœur. Pourtant,
même si cette personne n'est pas votre âme sœur, vous ressentez beaucoup d'émotions. Vous ressentez beaucoup d'émotions et on vous dit que par rapport à ces émotions, beaucoup d'émotions du chagrin, de chagrin, on parle de beaucoup de chagrin. Et que par rapport à ce chagrin, on parle de créativité. Vous avez eu du chagrin en rapport avec eux. En rapport avec peut-être votre travail, il est possible que vous ayez, oui, vous ressentiez du chagrin en rapport avec votre travail ou alors de la créativité autre. Là, on vous dit que on parle de nouvelles et que par rapport à ces nouvelles, ça va déclencher, ces nouvelles vont déclencher de la jalousie. Ces nouvelles vont déclencher de la jalousie et pourtant, de la jalousie autour de vous, des nouvelles par téléphone ou par SMS et qui vont déclencher de la jalousie. Mais par rapport à cette jalousie, vis-à-vis de cette jalousie, on vous demande de vous stabiliser avec l'encre, on vous demande de trouver l'équilibre, de trouver l'équilibre dans votre vie, mais de ne pas être dans le sacrifice. De ne pas vous sacrifier pour les autres. Vous n'avez pas à vous sacrifier. De sortir de ce sacrifice et de ne pas rester dans l'attente. Là, on parle d'une femme. On vous dit que cette femme, c'est soit cette femme, on parle d'âme jumelle ou d'âme sœur. Alors. Mais que par rapport donc à votre âme sœur ou âme jumelle, on parle d'une personne qui est pure, qui est dans la pureté, et qui est dans la pureté, dans l'honnêteté, dans la sincérité. On parle de nouvelles, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, mais que par rapport à ces nouvelles, on vous demande d'avoir des actes de gentillesse, de mettre des actes des petites attentions dans vos actions. Des petites attentions, tout ce qui est amour, toutes les attentions qu'on peut avoir dans l'amour. Là, on vous dit que vous traversez, on parle de crise. De crise, et par rapport à cette crise, c'est un rapport avec des blocages matériels et financiers. Donc apparemment il y a une crise concernant des choses matérielles ou financières. Et par rapport à ces blocages matériels et financiers, on parle d'élévation. Alors ça peut être une élévation au niveau matériel, financier. On parle de blocage matériel et financier d'un côté, puis de l'autre côté on parle d'élévation. Élévation pour une femme. Alors ça peut aussi la carte, la tour, ça peut représenter aussi quelqu'un d'ambitieux. Et là on parle d'une femme. Une femme, et que par rapport à cette femme, ou alors l'élévation, ça peut être spirituelle ou professionnelle. Et vis-à-vis de cette femme, on vous dit que vous avez des synchronicités. Vous avez des synchronicités qui vous font comprendre, qui vous font comprendre que peut-être vous êtes justement, puisque là avec la carte des synchronicités, que vous êtes liés, vous avez un lien entre vous. Là on vous parle de, on vous dit que vous allez avoir des dialogues, des échanges, on vous demande de parler, hein, même si vous n'aimez pas parler, on vous demande de parler. Et de parler, d'avoir des dialogues et de faire des compromis. De faire des compromis par correspondance, là, alors que ce soit par internet ou par téléphone, on vous demande de faire des compromis. Là, et que par rapport à ces compromis que vous allez avoir, vous allez faire des compromis par téléphone ou par téléphone ou par internet, et que, ou alors vous allez avoir des échanges de toute façon vis-à-vis d'une réunion, par rapport à une réunion. Alors ça peut être amical, ça peut être professionnel ou familial, et par rapport à cette réunion,
On vous dit qu'apparemment cette réunion va bien se passer. C'est quelque chose qui va très bien se passer. Ça vous apportera la paix, la tranquillité. Et on parle de signature. Donc il est possible que ce soit au niveau, je sais pas, mais dit sentimental, c'est possible que ce soit au niveau sentimental aussi qu'il y ait une signature. Il est possible que ce soit au niveau sentimental pour certains, et pour d'autres, ça c'est peut-être au niveau professionnel. Et que vous allez, on parle avec la signature, on parle d'engagement, de contrat signé. Mais il va y avoir un voyage. Suite à cette signature, après cette signature, il y aura un voyage. Un voyage, mais on vous dit qu'avec le voyage, là, on parle de mauvaise ambiance. Alors, soit il y aura une mauvaise ambiance durant le voyage, soit on parle de mauvaise ambiance vis-à-vis de quelqu'un du signe Verseau. Donc, de mauvaise ambiance, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses et du coup, vous vous tournez le dos. Enfin, moi, pour moi, c'est deux personnes qui ne sont pas en accord avec une. Et l'une d'elles est du signe Verseau. Et là, on vous demande de communiquer, d'être davantage ouvert avec la nature. On vous dit que vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Communiquer avec la nature et là on vous parle de naissance. Alors ça peut être la naissance d'un projet lié à la nature avec une personne ou encore la naissance d'un bébé, pourquoi pas, mais on vous demande d'exprimer votre individualité. On vous dit laissez votre vrai vous rayonner, car vous êtes quelqu'un de formidable. Votre vrai vous, c'est votre âme. Mais on vous demande aussi de faire un travail de patience, d'être dans la patience. Il est possible que vous ayez du mal à être vous-même et on vous demande de faire un travail sur vous pour être vous-même, être vis-à-vis de votre âme, en rapport avec votre âme. Donc, et votre vrai vous, c'est votre âme. Et votre âme est dans l'amour. Et des fois, il faut un travail, hein, il faut de la patience pour faire un travail. Et on vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certaines choses dans l'invisible doivent encore se passer. Il y a des choses qui doivent se faire dans l'invisible avant. Et là, on vous parle de patience vis-à-vis de quelqu'un qui est dans la pureté, éventuellement. Quelqu'un qui est pur, que vous connaissez, qui est dans votre entourage. Ou alors, on vous demande à vous de retrouver cette pureté, de retrouver cette innocence, cette clarté, la confiance, l'honnêteté, la vérité. Donc, de retrouver tout ça comme un enfant, comme un petit enfant. Et on vous dit que vous allez avoir un choix à faire. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez avoir un choix à faire entre deux personnes. Entre deux personnes, donc ce qui veut dire que vous êtes en triangulaire. Et que ce choix vous apportera le bien-être. Par rapport à ce choix, il est possible que vous rêviez de quelqu'un. De quelqu'un que vous voyez dans les rêves. Et on vous parle d'hiver. Alors l'hiver, ça peut représenter soit il y a quelque chose qui se passe en hiver, soit il y a un froid avec une personne de qui vous rêvez. Vous rêvez d'une personne, mais il y a un froid, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien qui se passe. Même s'il y a un lien, mais il n'y a pas d'échange entre vous ou tout simplement quelqu'un qui est né en hiver. Et là, on vous parle de conversation, on vous demande, voilà, ce qui veut dire, ça confirme le fait qu'il y a un froid entre vous et on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur. On vous demande donc de discuter honnêtement avec la personne avec qui, de discuter honnêtement de vos sentiments avec cette personne avec qui il y a un froid ou alors qui est né en hiver. Hein, c'est ou quelqu'un avec qui il y a un froid, ou quelqu'un avec qui vous êtes en couple,
et on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur, de pardonner et d'apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage l'amour, d'amour au moment présent. Donc pardonnez le passé, pardonnez et apprenez des erreurs du passé, pardonnez et apprendre, apprendre à pardonner aussi, oui, oui. Et mais on parle de pardonner, apprendre, mais on dit qu'il y a, il se peut qu'il y ait des soucis de finances et de carrière entre vous. On vous dit que les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, apparemment, il y a des soucis entre vous, des soucis qui font que il y a quand même des choses. Pour moi, il y a une triangulaire là encore. Des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et des problèmes financiers qui peuvent vous empêcher éventuellement de partir en vacances. Alors, attendez un instant, je vais en rajouter quelques-unes. Et on vous dit que, oui. Ou alors, vous allez quand même, malgré les problèmes financiers, partir en vacances, et que durant ces vacances, vous allez éprouver une passion, et on vous dit que une passion au niveau du cœur et de votre âme. Mais on vous demande de traiter d'abord, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Donc, il est possible que vous ayez des problèmes familiaux. Pour moi, il y a une triangulaire là. Et on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Mais vous devez pardonner à vos parents, vous devez pardonner à vos proches. Vous avez des choses à régler. Et on vous parle de séparation par contre. Donc, d'un côté, on vous demande de traiter les problèmes familiaux, puis après, on vous parle de séparation. On parle de séparation, on vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. On parle de séparation, puis on parle d'un amour véritable. Alors, on vous dit que voici l'amour de votre vie. Mais par rapport à cet amour véritable, apparemment, il y a eu des tromperies. Ça peut être des infidélités, ça peut être des échanges. Il est possible qu'il y en a un des deux qui était malhonnête. Et donc, il y a eu des tromperies entre vous. Des tromperies, et par rapport à ces tromperies, on parle des enfants. Il est possible qu'il y ait eu des tromperies par rapport à des enfants, que les enfants soient à l'origine de ces tromperies. Et que par rapport vis-à-vis des enfants, eh bien on vous demande, en rapport avec vos enfants, on vous demande de laisser partir votre ex, là aussi. Vous devez laisser partir votre ex, donc ce qui veut dire que il y a quelqu'un, donc il y a bien une triangulaire. Et on laisse partir votre ex et on vous demande de vous aimer vous d'abord. Il est possible que vous soyez, vous comptiez sur l'amour des autres, vous êtes peut-être dans la dépendance affective, et donc du coup. On vous demande de laisser partir votre ex et de vous aimer de vous d'abord. Plutôt que. Ouais. Et on vous dit que aimez-vous d'abord et on vous parle d'une forte attraction. On parle d'attraction. Une forte attraction entre vous et donc. Possible avec votre amour véritable, on vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent.
et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Mais il est possible que vous ne soyez pas donc avec votre amour véritable et que on vous dit ça vaut la peine d'attendre, qu'il y a une synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc il y a quelque chose, votre véritable amour qui va arriver. Apparemment, il est possible que vous ayez été séparés par des mensonges liés à des enfants. Et donc vous avez été séparés et vous avez été trompés. Et on peut vous dire que très bientôt, vous allez pouvoir, on vous dit, décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc votre grand amour, vous allez pouvoir le rencontrer très bientôt. Il va falloir prendre conscience de certaines choses et que les enfants, des personnes autour de vous peuvent très bien vous avoir manipulé, vous avoir menti. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.